Bien le bonjour à tous, c'est Iron Dova. Aujourd'hui on se retrouve pour un Qu'est-ce que ça vaut ? Un Qu'est-ce que ça vaut, ça va être une émission où je critique un jeu du moment. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la démo de FIFA 17. Donc FIFA, bah, on connaît tous. Hein. Je vais pas vous faire de mode aventure parce que bon, je sais pas. Ça me tente pas. J'ai surtout envie de vous faire un petit match comme ça. Un match comme on les aime, hein. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va faire à la fin? Je vais vous donner un peu mon avis sur le jeu. Et puis dans la description, si ça vous intéresse, je vais mettre une petite note. Et une petite critique. Donc écoutez, c'est parti. On va prendre la Juve et. Et Manchester United, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on va prendre le vrai. Ouais, pareil. Pas vraiment besoin. Et jouer match. C'est parti. Donc le défi de dribble. Donc c'est le truc. Ah non. C'est celui où je suis le moins bon. Hop. Allez. Bon bref. On passe. Passons. Donc je dois vous donner quelque chose, j'avais téléchargé la démo de Outlast 2 et j'ai fait 5 minutes de vidéo et après j'ai dit non, j'ai stoppé parce que il s'est rien passé mais j'ai eu peur donc je me suis dit non c'est bon, je vais pas réussir quand même. Donc ça on s'en fout et c'est nous qui engageons, donc c'est parti, on va foncer dans le tas, on ouvre la brèche et on se prend la balle, bien sûr. Hop. C'est moi qui lui ai parlé d'argent. Ah, il me foutait l'argent. De toute façon, beaucoup de gens critiquent le fait que les joueurs de foot gagnent beaucoup d'argent. Mais écoutez, si c'est si facile que ça, pourquoi vous ne faites pas? Ce que je veux dire, c'est que dès le moment où quelqu'un gagne de l'argent sur quel que soit. Sur quoi que ce soit, en fait, c'est mal vu. YouTube, c'est mal vu par certaines personnes. Le foot, c'est mal vu parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Écoutez, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ce qui m'énerve, c'est que les gens parlent tout le temps de ça. Le problème, c'est qu'ils donnent pas de vrais arguments, en fait. Le seul truc, mais c'est pas normal que quelqu'un qui travaille et tout ça, alors que lui, il fait juste taper dans un ballon. Mais si c'est si facile que ça, pourquoi vous le faites pas? C'est ça le problème, c'est que les gens ont toujours les mêmes arguments. Les gens ne développent jamais leurs trucs. Bon bref, je suis parti dans un débat. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais bon, moi c'est ma façon de penser. Perso, j'y connais pas grand chose en foot, j'aime pas vraiment ça. Si je dis des trucs qui ont rien à voir, écoutez, tant pis. Moi perso, je suis plus basket. Et j'ai fait beaucoup de rugby quand j'étais petit. Ouais. C'est l'anecdote sur ma vie. Bon, j'en battais les couilles, exactement. Mais je m'en fous. Allez. Bien sûr, on fait la passe à l'adversaire. Très beau, ça. Ah ah ! On prend la balle. Et c'est parti, cette fois, on ne la lâche plus. On va jusqu'au bout. Jusqu'au fond. Non. Oui. Allez, tire, débile. Donc je le crie beaucoup quand je joue à FIFA parce que ça me stresse. Non, mais... Débilos. Allez. Prends cette balle, je te dis. Oh là, mais il me passe d'une facilité déconcertante. Bien, Buffon. Corner pour l'adversaire. Hop. Ah non, je vais lui prendre la balle, c'est nul. Hop. C'est moi ou leur maillot est un peu plus foncé que d'habitude? Hop. Ah ah. Ah non, pourquoi tu tires? Pourquoi il fait la passe en arrière, ce con? Hop là, Pogba, je te passe.
Hop là, le numéro 3, je te passe. Hop là, non, je croyais que je l'avais. Oh, c'est nul. Allez. On va l'avoir, vous inquiétez pas. Oh, oh. Il a cru qu'il allait m'avoir. Mais il ne m'aura pas. La même attaque ne marche pas deux fois sur le même chevalier. Alors, attrapons cette balle. Et c'est bien sûr, c'est moi qui la mets dehors. Ah non. Ah non, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ce soit moi qui la foute dehors, mais c'était pas moi. Ce n'était pas le cas. Hop. Allez, on s'enfonce dans la faille. On s'enfonce dans la fente. Allez, le tir. Oh, joli arrêt du gardien qui s'appelle comment? De Gea. De Gea. Hop, on tire dans le tas, écoutez. La petite tête, peut-être. Oh, oh, oh. Tirer à 3 km. Attends, je veux dire, il est nul. Attends, moi j'aurais fait mieux. Hop là. Le jour où je ferai mieux, déjà que j'arrive pas à faire un tour de terrain sans être essoufflé. Hop. Ok, donc c'est la mi-temps et à 0-0. On attend de se rattraper, vous inquiétez pas. Alors, reprendre le match. Cours, vol. Il est toujours là-bas. Il me prend, ils ne me donneront pas la balle. Moi je veux la balle, je veux marquer, je veux mettre un but s'il vous plaît. Non. Mais pourquoi il continue pas à avancer? J'ai vu dedans, j'ai stressé, on va se l'avouer, j'ai stressé, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Ah, peut-être, non. Ah, oh, oui, on reprend la balle, oui. Oui, exactement, oui, c'est ça. C'est comme ça que ça devrait se passer. Voilà. Dybala, je crois que c'est lui. Parce que je joue souvent à FIFA 17. Parce que je sais pas, en ce moment, je joue beaucoup à FIFA 17. Des fois, on a des périodes où on joue plus à un autre jeu, où on écoute plus tel style de musique, par exemple, moi. En ce moment, je suis plus sur du Iron Maiden. Pendant un temps, j'étais un peu plus sur du Dio. Bref, vous voyez. Dites-moi dans les commentaires quelle musique, enfin, quel type de chanson vous aimez. Et c'est quoi votre style en particulier en ce moment? Ça m'intéresse de savoir tout ça. Est-ce que je peux l'envoyer tout au fond là-bas? Non, ok. J'ai appuyé le plus fort possible que je pouvais sur la croix et ça fait une petite passe toute nulle. Oh, l'arrêt! Les fesses! Voilà, c'était la petite blague. C'était gratuit, écoutez. L'arrêt du gardien, magnifique. Encore un corner. Hop! Hop, la petite tête pour dévier ce ballon. Oh, joli ça. Oh, on peut faire quelque chose avec ça. Oh, on peut faire quelque chose. Ça. Là, on peut faire quelque chose. Là, on a une opportunité qui se dessine devant nous, là. Là, on est... Ah non, pas un blessé, non. Non, me dis pas ça. Non. Tire. Mets là. Non, oh, oui, il reprend la balle, c'est ça, voilà. Non, mais... Pourquoi moi? Hop. Oh, joli ça. Eh oh, et Pogba là. Tu crois que c'est pas vu? La petite poussette là. Tout le monde t'a vu. Oh là. Oh là, ça sent pas bon ça. Oh, ça sent le but. Oh non, René. Oui, je dis des noms comme ça, de prénoms. Roger. Et Zlatan Ibrahimovic, et bah il fait de la merde. Oui, exactement. Oui, non. Oui, je crie beaucoup, je suis désolé, mais je suis très...
C'est très immersif. Oh, ça c'est nul. Oh, ça c'était bas, ça. Oh non, penalty. J'ai rien fait, il tombe tout seul, regarde. Regarde, il jette par terre. Ouais, j'ai rien fait, je l'ai pas vu. Et... Oh, et en plus, Dybala est blessé. Un de mes meilleurs joueurs. Parfait. Non. Non. Non, sérieux, il y a un joueur qui s'appelle Zaza. Sérieux, il y a un joueur qui s'appelle Zaza. Il y a un joueur qui s'appelle Zaza. Ah non, c'est pas possible. Un joueur qui s'appelle Zaza. Sérieux. Zaza, quoi. Ah ouais, pour faire mon merde, mais... Par là. Non. Bon, bah... Écoutez, ça arrive à tout le monde. On a le temps de se rattraper. Il reste 10 secondes. Enfin, 10 minutes. 10 secondes. Il reste 10 minutes, on a le temps de se rattraper. On stresse pas. On stresse pas. Ok. Non, mais hé, il me rentre dedans. Et là, il n'y a pas faute, là. De toute façon, le gardien il est corrompu. C'est ce qu'on a entendu pendant tout l'Euro. De toute façon, le gardien était corrompu. L'arbitre il était corrompu. Eh oh! Zaza il s'est fait pousser. Zaza. Il s'est pas respecté. Zaza, on dirait un nom de clown quoi. Coucou les enfants, c'est Zaza le clown. Oui, Zaza! Zaza qui sauve la situation. Oui Zaza. Zaza je t'aime. Zaza fais-moi l'amour. Zaza. Mais ce Zaza. En plus bam tacle par le... Oh il s'est fait démonter par le gardien par contre. Deux. Ouh. Ce plan est assez... Comment dire, ça va peut-être se finir en pénalité. Alors... Est-ce qu'on a le temps d'en mettre un autre? Oui, on a le temps d'en mettre un autre. Zaza. Zaza. Oh mon dieu. Oh, il y est. Il y est. Il y est, il y est, il y est. Oh mon dieu, il y est. On l'a fait, les amis, on l'a fait, on l'a mis. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Alors là, franchement, je dis bravo. Allez. Et c'est la fin de ce match. On a gagné. On est les plus forts. Là, là, là. C'est super. Mais tout ça, c'est grâce à Zaza. À super Zaza. Buffon. Eh bien, parfait. Écoutez. Bon bah écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de ce jeu? Eh bah écoutez, c'est un FIFA, hein, gameplay assez simple, facile à prendre en main. Tout ce qui est graphisme et tout ça, c'est pas mal, mais bon, ça vaut pas PES 2000, enfin, ça vaut pas PES 17. Et puis, ouais, bah c'est ça, écoutez... c'est ça, donc bah moi je vais vous dire à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, à vous abonner à la chaîne et rejoindre le bataillon. Donc, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!